Wow. Aujourd'hui les amis, on va devoir se défendre face à des hordes de zombies. Et le problème, c'est que tout ce qu'on a pour ça, c'est une simple plante comme ça. Pas sûr qu'on arrive à défendre le jardin avec ça, quoique ça a l'air de lancer des petites balles hyper puissantes qui vont nous permettre de anéantir ces deux zombies. Et l'autre problème, c'est qu'il y en a encore plus qui arrivent. Ok, je ne vois pas comment on peut s'en sortir pour cette première vague de zombies qui arrive. Waouh, il y en a tellement, il y a même ceux avec les connards. Si on arrive à passer au moins ceux les plus simples là, ça serait pas mal. Mais je ne vois aucune possibilité pour nous de survivre à ce qui va nous arriver là maintenant. Oh là là, ils sont tellement sur moi, évidemment, j'ai pas pu résister. Mais j'ai maintenant un peu plus de soleil, 195 pour être exact, et si on vient mettre ces deux ensemble, ça nous permet d'avoir une fusion, et s'ils arrivent à passer avec ce triple canon, eh bien j'achèterai toute la boutique pour débloquer même les plantes légendaires. Et ce qui est cool, c'est qu'il me reste un petit peu de soleil afin de pourquoi pas mettre ces deux petites noix qui devraient leur faire perdre du temps. Et j'ai la possibilité de mettre ma première plante rare en bleu comme ça, qui devrait, à mon avis, leur poser pas mal de problèmes au niveau des pièges. Ah, ils ont commencé à esquiver mon attaque, mais ça va le faire normalement. Attention, le piège va s'activer. Pour celui-là, non, c'est pas ça. À quoi il sert alors celui-là? Je sais pas à quoi il sert pour l'instant, mais une chose est sûre, c'est qu'on arrive quand même à les détruire bien plus. Ah si, on dirait que quand ils passent sur mon piège, ils reçoivent 100% de dégâts en plus, il me semble que c'est ça. En tout cas, les connes, il va falloir en venir à bout. On a réussi à venir à bout des autres, on récolte quelques petites pièces. Mais de toute façon, on peut pas rajouter de plantes. On n'a plus qu'à attendre et espérer. Et ça passe, mais normalement c'est bon. Il reste plus que deux connes, ils ont même pas réussi à détruire une noix. C'est la victoire, boum. Et alors si on va ici, on a notre arbre de compétences dans lequel on va pouvoir bien évidemment augmenter nos caractéristiques comme l'attaque, comme la vie, et bah c'est tout, j'ai plus d'argent. Et il faut absolument qu'on trouve les morceaux de puzzle pour débloquer les plantes épiques et légendaires. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai la possibilité d'avoir un cadeau de plus 3000 pièces, ce qui va donc nous permettre d'augmenter quand même pas mal de choses directement ici, donc on va le faire. Wow, qu'est-ce que c'est que cette plante? On dirait que c'est la plante de base, mais je sais pas combien de fusions il faut pour l'avoir, et j'ai la possibilité d'avoir seulement deux pour l'instant, donc autant vous dire qu'il va falloir améliorer certaines choses pour avoir bien plus, en tout cas. On devrait venir à bout de tout cela, même s'il y a 12 gars avec le truc sur la tête. Alors, je pourrais également fusionner ces deux-là. Je sais pas si c'est possible. Bien évidemment que c'est possible. Ils sont ultra résistants. Et nous, les amis, on va essayer de venir à bout de tout ça. Alors, on a la possibilité de tester pourquoi pas ce truc-là, là. Qui va nous permettre de détruire tous les... Oh là, ok. Ça serait peut-être un peu trop facile. Mais attendez, je vais le faire. Boom. On va voir ce que ça donne. Oh là. Ah ouais, d'accord. Sauf que je l'ai lancé, il y avait absolument personne. Sauf un. Ah, ça les repousse juste. Ça les tue même pas. Et maintenant, on n'a plus qu'à espérer qu'on arrive à venir à bout de ces 4 connes déjà. Et ah oh, il lance les têtes de casserole. Bon, on va voir ce que ça donne. En attendant, je ramasse les quelques petites pièces. Il faut vite venir à bout de ces 3 connes qui restent. Normalement, ça va être assez rapide. Quoique, oh là 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 là, je vais perdre, c'est sûr à 100%. C'est impossible que j'arrive à me débrouiller dans ce niveau. Regardez-moi le nombre qu'il y a. Il y en a 12. Il y en a 12 et à mon avis, ma noix va lâcher. C'est sûr à 100%. Allez, 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 allez. Continue à taper. Continue à taper plus vite. Il n'y a pas moyen de le booster là. Non, c'est trop tard. C'est au début du niveau qu'il faut faire. Aïe, aïe, aïe. Attention. Combien elle a de vie, ma petite noix? Je sais pas. Ça va, on arrive à en détruire quelques-uns. On a détruit deux en même temps. Ok, ça va peut-être le faire. Hein. Oh, mais c'est un véritable tank. Dommage qu'il n'attaque pas. Par contre, il en reste combien? Il en reste 3? 4? 3, je crois. Allez, allez. Oui, ça va le faire. Oh, incroyable. J'aurais jamais pensé réussir à ce niveau. Mais c'est bon. C'est la victoire. Alors on a maintenant la possibilité d'avoir de l'équipement apparemment. Ah, c'est moi ça? Ok, j'ai la possibilité d'avoir une arme de chasseur. Ah, il m'en faudrait 3 pour pouvoir les fusionner et sûrement en avoir une bleue, une rare donc. Alors je pense que c'est en faisant pousser cette plante-là qu'on va avoir la possibilité de débloquer de nouveaux... Oh, de nouveaux puzzles, c'est exactement ça. Alors faut que je le fasse 3 fois encore apparemment pour voir ce que ça donne. Ok, on a encore eu ça. Et ça coûte trop cher pour l'instant. Ah, je fais une amélioration pour avoir encore plus de pièces. Et nous les amis, maintenant on est face à des darons qui lisent des journaux. Je sais pas si ça va le faire. On va essayer. On va essayer de faire à peu près la même composition que tout à l'heure. Lui, on va le mettre au fond le plus possible. Alors, je sais pas si ça vaut le coup d'en mettre 2 ou de les fusionner à chaque fois. Mais bref, on verra. En tout cas, quand il passe là-dessus... Oh oui, c'est vrai qu'il y a lui. Oh, tellement bien. Alors, attendez, il faut absolument que je le teste. Alors, peut-être pas sur ces zombies-là parce qu'ils sont quand même un petit peu nuls. On va garder quand même nos cartouches pour avoir des zombies un peu mieux. Allez, on élimine rapidement les deux, là, s'il vous plaît. Tac. Allez, lui, il doit lui rester un coup. Ah non, 2 peut-être. Allez, c'est parti pour un petit coup ou pas. Boum. Wow! Ah, j'ai la possibilité de tirer quand je veux! Oh, c'est incroyable! Les équipements vont être complètement dingues, ils vont faire une différence de fou. Allez, vas-y, retire, 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 retire. Ah ouais, bon, ça fait pas des dégâts de fou pour l'instant. En même temps, j'ai pas grand-chose. Par contre, j'ai réussi à en toucher plusieurs en même temps. Un véritable fusil à pompe. Alors, ça y est, il y a les newspapermen qui arrivent. Ils ont tellement de caractéristiques. Oh là 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 là! Ils ont une influence sur la rapidité d'attaque. Ils ont 30% de plus de vie. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, vite, on s'occupe de cela parce que... Vu ce qui arrive derrière, oh, aïe, aïe. Bon là pour moi c'est impossible que ma noix résiste. Hein. Oh, regarde
regardez le nombre qu'il y a. Heureusement qu'il y a mon piège juste avant. On dirait qu'il fait rien, hein, mais s'il fait des dégâts, il permet d'avoir... il fait des dégâts chaque seconde. Allez, boum. Et là, l'avantage, je pense, c'est qu'il garde les dégâts vu qu'ils sont encore dessus. Et go, 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 go. Ça va, on les élimine. Ils sont finalement pas si blindés que ça. Non! Ok, les amis, on a plus le choix. Alors, ce qui est bien, c'est que ma plante, elle résiste quand même. Tout à l'heure, elle a résisté. Ah, ok, j'aurais pu pousser, mais on va pas le faire. J'ai confiance en ma plante, s'il vous plaît. Allez, allez. Oh, c'était limite. C'était vraiment limite, et c'est la victoire. Alors maintenant, on a la possibilité, apparemment, d'acheter directement un truc au cimetière qui va permettre d'avoir des équipements. Pour mon personnage. Alors, je ne suis pas sûr qu'un hot dog, c'était ce qu'il nous fallait, mais... Oh, j'ai la possibilité d'en ouvrir un deuxième. Boom. Waouh. Un fusil à pompe bleue. Et si je prends la golden jar, on va peut-être avoir la possibilité d'avoir un équipement légendaire. Ah non, il faudrait en faire 4 pour l'avoir. Ok, je vais en faire 4. C'est parti. Alors, le premier, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on devrait avoir au moins du rare. Ah non, on a du non commun. Allez, je tente la deuxième tentative. On va faire les 4 de toute façon. Et à mon avis, 5. Ok, on a du épique. La troisième, qu'est-ce que c'est? Boum. Un pantalon. Ouais, ça peut servir. Mais là, ce qu'il va nous falloir absolument, les amis, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir bien plus de fusion possible. Parce que pour l'instant, je peux mettre que 2 plantes par type. Boum. Oh lolo, le tropical shirt légendaire. Je ne suis pas sûr de ça. Bon, au niveau de l'équipement, comment ça se passe? One click équipement. Ah oui, j'ai équipé le meilleur directement. Donc là, on a un fusil à pompe qui nous permet de faire 100 d'attaque, alors que les premiers tout à l'heure, ils faisaient 25. C'est vraiment très peu. Et là, on a la possibilité de faire double coup, mais aussi des coups critiques. C'est n'importe quoi. On va être tellement puissant. On va tous les allumer, les amis. Bon, c'est vraiment des morceaux de puzzle qu'il va me falloir pour la suite. Donc, je vais faire un niveau et après, on va essayer de débloquer ces morceaux de puzzle parce que là, pour l'instant, ça va pas. Oh. Ce truc de fou. Ah mais si, regardez, maintenant j'ai la possibilité d'en mettre 2 comme ça, donc on va les fusionner, on va voir ce que ça donne. Boum, ok. Là par contre, ça va commencer à faire mal. Bon, on a à peu près la même disposition que tout à l'heure, pour l'instant j'ai rien débloqué de fou. Mais bon, boum, j'ai la possibilité. Oh. Ah ouais, ça se recharge plus vite ou pas? J'ai l'impression, vous avez vu, j'ai fait des doubles coups. Hein. J'ai déjà fait 2 doubles coups, alors que j'ai très peu de chance de l'avoir, c'est 22% de chance de faire des doubles coups, je crois. Bon, en vrai, c'est terriblement efficace, hein. Regardez. J'arrive, hop, allez, ouais, les double shots avec mon fusil à pompe, c'est n'importe quoi. Et encore, il est pas en légendaire. Hein. Bon, on devrait venir à bout rapidement de ce niveau normalement. Allez, tant qu'ils sont tous stack là, on y va. Ils sont 4. C'est le moment pour nous de mettre. Hop là, double coup. Voilà, double triple hit. J'ai fait un triple hit, je savais pas que c'était possible. Et boum, on a éliminé tout le monde. Incroyable. Ah non, il reste les door plants. Ah oh. Alors, ceux-là, ils sont résistants, je pense. Ah, j'ai cassé leur porte. Ah, ok, du coup, ce sont des simples zombies après. Enfin, pas vraiment simples. Je crois qu'ils deviennent rapides une fois qu'on. Docteur Zomboss. Wow! Ok, les amis. Oh, le focus! J'arrive pas à le toucher. J'arrive pas à le toucher. Pourquoi je n'arrive pas à le toucher? Je suis en train de prendre très cher, là. Et là, il attaque pas, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas. Oh, je suis en train de les tirer dessus en boucle. Waouh. Ok, je ne sais pas pourquoi il attaque pas. Si, ça y est! Wow! Ok, quand il attaque, ça rigole pas. Bon, ça va. Si c'est une attaque comme ça, de temps en temps, ça va. Ok, c'est bon, on l'a complètement allumé. Allez, j'ouvre du Golden Plant cette fois-ci. Comme ça, on va pouvoir avoir de... Nouvelle plante incroyable, notamment la bleue comme ça. Alors celle-là, est-ce que c'est une nouvelle plante ou est-ce que c'est la même que moi mais qui a un skin? Je sais pas, mais en tout cas on en a eu 2. Et attention, boom, ça y est. Ah non, du coup il m'en faut 2 comme ça, il me faut 2 pièces comme ça. Bon bah je vais ouvrir plein de pièces les amis, on va se faire une nouvelle équipe incroyable. On ouvre que du golden évidemment. Waouh, notre prochaine équipe va être complètement folle. Attention, ok, celui-là on l'avait déjà, mais on va pouvoir sûrement l'améliorer. Mais attendez, on peut avoir le king maintenant? On peut avoir le king? Ok, sauf qu'il nous faut 3 fois. Ok, on va faire comme ça. 3 fois le king. Et qu'est-ce que ça permet d'avoir? Du légendaire directement. Oh. Ah, j'ai pu le faire qu'une fois. Dommage. Et donc, ça y est, les premières upgrades vont être incroyables. On va avoir la possibilité d'en avoir, je crois, 3 comme ça maintenant. Attendez, je sais pas. Ah non, c'est qu'ils sont directement au niveau 2. Non, on verra. Hop. Ça, ça permet voilà, d'augmenter la vie et l'attaque. Bon, pas l'attaque pour celui-là en l'occurrence. On a donc les nouvelles plantes comme ça. J'ai pas la possibilité d'upgrade. Pourquoi je peux pas l'upgrade? Elles sont... Ok, on a un petit peu augmenté sa vie et son attaque. Ah ouais, mais il me faut absolument la possibilité d'en équiper plus. Mais on a également ces 3 nouvelles plantes. On a eu qu'une seule légendaire, malheureusement. Alors, je peux pas les améliorer, j'ai pas assez de morceaux de puzzle. Alors, au niveau des améliorations, on va pouvoir faire quelques petits trucs juste là. Et allez, c'est parti. Et à chaque fois, il me donne envie en débloquant ces plantes-là. Bon, j'ai 395 soleils. Autant vous dire que c'est bien assez pour développer absolument tous ceux dont je souhaite l'arrivée. On va mettre, évidemment, notre petit tank juste là, notre piège devant. Ah, attends, je suis pas sûr. Ça, c'est quoi, ça? Quoi? Attendez, ça va être incroyable ça. Et ça c'est quoi? En lançant des épis de maïs, ils ont la possibilité de venir stuck nos ennemis. Donc de les bloquer. Et ça, ça permet de faire quoi? Ça ignore la défense des adversaires. Le bouclier. Oh lolololo. Ok, on met ça, on le fusionne. Ah non, il me faut des... Ok, c'est bon. J'ai mes étoiles. Enfin, mes petits soleils. On y va.
Cette équipe de fous, aïe aïe aïe, ils vont prendre tellement cher. Oh là là. Ok, ça y est, les choses sérieuses commencent maintenant. Boum, des grandes pastèques sur la tête. Oh là là, 5 pastèques sur la tête d'un coup. Ah, il lance pas souvent. Ça y est, il a lancé. Oh, envoyez-moi tout là. Ouais, petit coup de fusil à pompe en plus. Oh là là, ils vont jamais réussir à atteindre même ma noix. C'est sûr, les amis, regardez. Hop, hop, hop. Ils arrivent à l'atteindre, mais ils arrivent même pas à l'attaquer encore. Bon, par contre, là, ils vont envoyer ceux-là. Attendez. Après, il y a quoi? C'est un Yeti, il y a une sorte de Yeti. Eux, ça va le faire. C'est pas trop un problème. C'est le même. Boum. Ok, nickel. Et attention, il y a le Yeti qui arrive, je crois. Ah non, pas encore. Oh là là, notre puissance est incroyable. Allez, go. Tac, plus que 4. Oh là, ils ont sorti donc les portes. Mais l'avantage, c'est que mes pastèques, elles passent quand même au travers. Et ça y est, il y a le Yeti. Bon, celui-là, ça s'annonce un petit peu plus compliqué. On va essayer déjà de lui tirer dessus un petit peu. C'est même le freeze. Vas-y, lance le truc V, bleu. Ok, je crois que... Non, on l'a tué. On a même pas eu le temps de le freeze qu'on l'a tué. Alors, nos pastèques, on va avoir la possibilité de les améliorer deux fois, trois fois même. Oh, elles vont être tellement fortes. Est-ce que j'ai débloqué une nouvelle plante? Bien évidemment que oui. J'ai celle-ci maintenant. Mais on a aussi là, la petite pomme de terre. L'explosion peut-être... Oh là 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 là. Bon, je sais pas si j'aurai de la place pour tout le monde. Hein. Ok, les amis, j'ai trouvé la solution pour passer à trois plantes. Parti. Ce qui veut dire qu'on a la possibilité de venir les fusionner comme ça, et est-ce qu'on peut faire une nouvelle évolution? Non, c'est la meilleure évolution de la plante de base, et c'est la plus nulle, donc autant vous dire que c'est pas un problème que ce soit la dernière. On y va donc pour la meilleure évolution de la noix. Ah ouais, elle peut attaquer maintenant? Attendez, est-ce que je peux la... Oh, non, je peux pas plus. Ok, on va mettre absolument tout le monde au niveau max, histoire d'avoir une équipe de dingue, les amis. Alors attendez, d'abord ça, on va pas le mettre, on va mettre du légendaire. On va prendre ça directement. One more, c'est parti. Boom. Incroyable, ça va être tellement puissant. Boom. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a mieux que ça ou pas? C'est pas possible, c'est déjà trop stylé. Attendez, ça lui a remis une langue. Ah non, elle a juste sorti sa langue. On va mettre les pastèques, on va voir ce que ça donne. Évolution de pastèque, alors celle-là on l'avait vue. Et la troisième. Ah oui, d'accord. On a le bazou basket. Bazou pastèque. Bazou pastèque. J'ai plus de soleil? Ok, je prends. Voici l'évolution du maïs. J'ai toujours pas de soleil, donc malheureusement, je vais devoir en prendre. Et c'est parti pour. Ok, la fusée maïs, c'est absolument trop stylé. Est-ce qu'éventuellement, il y en a un que j'ai pas fait? Ouais, celui-là. Hop, et après, on va pouvoir en mettre un autre au tout début. Donc, évolution de la tour Tesla. Et la troisième évolution, voici ce que c'est. Bam! Oh lolo lolo. Un magicien, c'est un mage. Un véritable mage. Donc là, on va plus utiliser les premiers pièges. On va mettre directement les petites patates qu'on va venir améliorer, voir à quoi elles ressemblent. Alors, la TNT, on l'avait vu. Et la troisième évolution, il s'agit... D'une fusée qui est sous terre. Les amis, ils vont absolument rien comprendre. C'est parti. Alors là, les attaques. Oh là 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 là. Je les ai pas tués. Je les ai pas one shot avec tout ce que j'ai. Oh non, ma fusée a pété. Ma fusée a pété. Elle était que d'une seule utilisation. Bam. Oh là là. Ça attaque pas vite par contre. Hein. Alors moi, j'utilise pas mon fusil à pompe parce que franchement, j'en ai pas besoin. Mais pourquoi ils mettent 20 ans à attaquer? C'est dingue. Oh là là. Bon, c'est quand même stylé de pouvoir lancer 250 pastèques à la minute. Boum. Oh là là. Non, mais en fait, c'est juste que les zombies baskets, ils sont trop puissants. En fait, on est arrivé sur des niveaux où ils sont bien trop forts. Mais bon, c'est pas non plus trop un problème. Même Mano, elle résiste. Elle a pas une seule égratignure. Ah, si, juste un petit pansement, mais ça va le faire. Oh, mais regardez, qu'est-ce qu'ils ont ressorti? Ah, si, c'est pas du one-shot sur eux, je comprends pas. Boum, attention. En fait, c'est que j'ai des trucs qui ne font pas de dégâts. C'est juste que ça réduit leur défense, je pense. C'est pour ça que des fois, il y a plein de trucs qui arrivent sur eux. Mais c'est vraiment ma plante verte qui va servir. En fait, il me faudrait que des plantes vertes niveau max. Ah ouais, il faut absolument tester ça, les amis. Ça va donner un truc de dingue. Alors, ma patate, elle repousse des fois, c'est bien. Par contre, c'est le pharaon zombie qui est là. Je vais commencer à sortir le fusil à pompe, du coup. Attention! Boum! Ok, on l'a pas détruit complètement. Si, ça y est. Ok, on va mettre que des plantes vertes, les amis. Et on va faire un truc de dingue. Oh, attendez, parce que j'ai la possibilité d'en avoir un que j'avais pas eu. Oh, oh là, c'est quoi ce truc-là? C'est le meilleur? Ah ouais, c'est le meilleur. C'est la seule plante qu'on n'avait pas vue, qu'on n'a pas débloqué. Et nous, on se met une armée de petits bonhommes verts. Ça devrait suffire. Alors, même si en face, il va y avoir du monde, il y a même un taureau. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai pas mis de défense, pas de noix, qui nous a quand même bien sauvé la vie depuis un petit moment. Et j'espère que ma première plante va pas y passer. On va voir ça. Normalement, c'est bon, je pense qu'on a beaucoup trop d'attaques. C'est parti, les amis. Bon, c'est pas du tout équilibré, évidemment. Ça peut causer des problèmes, mais... Ah, on a du mal. Ah ouais, mais c'est parce que nos attaques, elles mettent longtemps à arriver. Par contre, quand elles arrivent, il faut qu'ils soient nombreux pour qu'ils prennent tout. C'est parti, oh lolo. C'est trop puissant. Allez, go, ramasse ces petites piques. Oh la dinguerie. Oh lolo lolo. J'ai très hâte de voir les taureaux, voir ce que ça va donner. C'est un truc de fou. Et l'autre, là, au bout là-bas, qui fait que lancer des boules de feu. Oh, on arrive à défoncer les gars au con, les zombies au con. Incroyable puissance. Les amis, voici les taureaux.
Et alors attention, parce que là, ça va commencer à être galère, je pense. Quoique, quoique... Bref, moi, les amis, je demande à tous de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Ce sont les cow-boys, carrément. Il y a même les mini-zombies. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est bon, on a découvert... Ben voilà, on l'a même pas vu. On a découvert toutes les transformations de plantes. C'était Redkill. Ciao, tout le monde.